population laborieuse, un magasin coopératif, une meunerie, une caisse pop et une banque canadienne nationale. Et aussi trois épiceries boucheries, très bien organisées, de même que J.R. Normand enregistré, machinerie à bois. La vocation agricole de Sainte-Enédine et la proximité des grandes villes rendent plus difficile l'implantation d'industries toujours bienvenues. Cependant, une modeste boutique qui est devenue aujourd'hui une grande industrie de bois ouvré, Prestofix, qui s'adapte sans cesse aux besoins de la construction et qui permet à une trentaine de personnes de gagner leur vie. L'état des routes oblige à croire à l'installation d'un système d'aqueduc et d'égouts afin de répondre aux besoins et aux exigences du confort moderne. Une usine d'épuration devrait s'élever très bientôt pour compléter le système qu'on peut dire prêt à se mettre au service des industriels. Enfin, le comité des loisirs a aménagé un vaste terrain de bal, également bien éclairé, où se livrent des rencontres interparoissiales qui attirent de nombreux visiteurs de tout âge. On pourrait dire encore beaucoup de Sainte-Enédine, mais comme c'est une paroisse où il fait bon vivre, l'étranger qui passe s'y attarde et repart avec l'espoir d'y revenir. Madame Rodrigue Baudouin. Je fais déjà partie de la chorale, me disiez-vous? Oui. Vous chantez bien aussi, elle a une voix. Vous chantez très bien. Qu'est-ce que c'est que vous allez nous offrir ce soir? Passons par Paris. Ah, vous allez nous amener par Paris? Allons-y! Allons. Passons par Paris, vite dans la bouteille. Passons par Paris, vite dans la bouteille. Un de mes amis me dit à l'oreille, ah oui, c'est bon, le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Un de mes amis me dit à l'oreille, un de mes amis me dit à l'oreille. La plus belle. Elle était jolie, cette fleur, et on vous remercie infiniment. C'est Mme Roland Savoie, me dit-on, qui a la gigue au bout de la patte. Bonsoir, ah, Mme Savoie, ça va bien? Pas longtemps que vous giguez, vous? Vous avez commencé ça toute jeune? Oui, ça paraît, parce que vous avez tout. Allez-y, non, s'il vous plaît! À l'avant, la musique! Thank you.
par deux, maman. Qu'en va-t-il avoir du plaisir? Qu'en va-t-il avoir de la gaie maman? Avec eux par derrière, les cornes par devant, maman. Elle enfonce ses cornes dans le dos de la vie, maman. Qu'en va-t-il avoir du plaisir? Qu'en va-t-il avoir de la gaie maman? Elle enfonce à ses cornes dans le dos de la vie ta main. Elle enfonce à ses cornes dans le dos de la vie ta main. Elle lui enfonce à si fort qu'elle lui dessous d'un cadran manque. Qu'on dit n'avoir du plaisir, qu'on dit n'avoir de la gré maman. Qu'on dit n'avoir du plaisir, qu'on dit n'avoir de la gré maman. Elle lui enfonce si fort qu'elle lui dessous d'un cadran main. Elle enfonce si fort qu'elle lui dessous d'un cadran main. On fit venir l'enfer pour lui souder le cadran. Qu'on va-t-il avoir du plaisir? Qu'on va-t-il avoir de la gaie maman? Qu'on va-t-il avoir du plaisir? Qu'on va-t-il avoir de la gaie maman? On fit venir l'enfer pour lui souder le cadran. On fit venir l'enfer pour lui souder le cadran. Soudez, soudez, orfèvre, je vous ferai content. Qu'on va-t-il avoir du plaisir? Qu'on va-t-il avoir de la gaie maman? Soudé, soudé, orfèvre, je vous ferai content. Soudé, soudé, orfèvre, je vous ferai content. Si vous faites pas content, ben je vous ferai ce printemps. Qu'on dit n'avoir du plaisir, qu'on dit n'avoir d'agré maman. Si vous faites pas content, ben je vous ferai ce printemps. Si vous faites pas ce printemps, ben vous le devrez tout le temps. Qu'on dit n'avoir du plaisir, qu'on dit n'avoir de la gré maman. Qu'on dit n'avoir du plaisir, qu'on dit n'avoir de la gré maman. C'est bien le président de la commission scolaire, oui. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Depuis deux ans. Depuis deux ans. Ça va bien, la commission scolaire? Oui, ça va très bien. Pas trop de problèmes? Non. Tant mieux. Il faut les résoudre à mesure qu'ils se présentent, les problèmes. C'est ça? Merci beaucoup. Vous chantez très bien. On est bien content de votre chanson. Maintenant, l'organisateur qui a chanté au début, M. Dubreuil, a préparé une petite chanson en duo qui est fort jolie. Il va nous l'offrir. Vous voulez bien, M. Dubreuil, nous l'offrir tout de suite? C'est mademoiselle, oui. C'est mademoiselle de Blois qui chante avec vous. De Blois, c'est ça? On va écouter ça. Là-haut, là-bas, sur la montagne. 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 Il y avait des moutons blancs qui étaient en belle rose. Il y avait des moutons blancs, belle rose du printemps. Belle rose du printemps. Mais la bergère qui les garde. Mais la bergère qui les garde. Mais la bergère qui les garde. Mais la ne passe encore de prétendant, viens dans ton belle rose. Ne passe encore de prétendant, belle rose du printemps. Belle rose du printemps. Un beau matin dans la campagne. 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 Rencontrer la belle enfant, viens dans ton belle rose. Rencontrer la belle enfant, belle rose du printemps. Embrassez-moi, mademoiselle, embrassez-moi, mademoiselle. Embrassez-moi, mademoiselle, embrassez-moi, mademoiselle. Y'a pas personne, c'est pas gênant, viens dans ton belle rose. Y'a pas personne, c'est pas gênant, belle rose du printemps. Belle rose du printemps. Non, non, monsieur, c'est pas possible. Monsieur, c'est pas possible. Non, non, monsieur, c'est pas possible. Non, non, monsieur. Parce que ma mère mit le défend. Qu'est en don belle rose. Parce que ma mère mit le défend. Belle rose du printemps. Belle rose du printemps. Je le dirai à votre mère. 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 Ça lui rappellera son jeune temps. Viens en don belle rose. Ça lui rappellera son jeune temps. Belle rose du printemps. Même si ma mère m'y commande, 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 je veux garder tous mes talents.
dans Belle Rose. Et mon mari quand ça sera le temps. Belle Rose du printemps. Belle Rose du printemps. Alors je n'ai plus qu'une chose à faire. Alors je n'ai plus qu'une chose à faire. C'est de vous demander à vos parents, viens dans ton belle rose. C'est de vous demander à vos parents, belle rose du printemps. Belle rose du printemps. Mon cher ami, je vous le dis d'avance. 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 Ils vont dire oui assurément. Viens dans ton belle rose, faudra se marier avant le printemps. Belle rose du printemps. C'est bien l'amour, hein? Oui. Merci, c'était très, très bien. Il y a un autre monsieur Dubreuil dans le groupe qui a un petit refrain qui a du vigoureux. C'est formidable. C'est monsieur Joseph Dubreuil. C'est vous, monsieur Dubreuil? Pourquoi vous m'avez dit que c'était pas vrai, cette affaire-là? Comment vous avez dit que c'était pas vrai? Il me faut mon souffleur. Oh, ça vous prend. Où est-ce qu'il est, votre souffleur, lui, là? Souffleur, moi, ça m'aime pas bon. C'est celui-là, le souffleur? Bon, allons-y, dans le groupe. Quand j'ai eu 28 ans, ce fut un événement. On a fait une veillée dans le sang d'un fêté. Mon Dieu, que ça me donne l'air bête tant que j'ai ta gênée. Mon Dieu, que ça me donne l'air bête tant que j'ai ta gênée. Le soir, elle a veillé, on me demande pour chanter. Pour la faire du nouveau, on me demande pour chanter. Pour la faire du nouveau, faire et chanter de très tôt. Mon Dieu, que ça me donne l'air bête tant que j'ai ta gênée. Mon Dieu, que ça me donne l'air bête tant que j'ai ta gênée. Le petit dans son berceau, boy, y'a comme un petit beau. Il venait de faire quelque chose, donc j'étais pour la cause. Mon Dieu, que ça me donne l'air bête, tant que ça m'a gêné. Mon Dieu, que ça me donne l'air bête, tant que ça m'a gêné. La danse a commencé, où tu fais transpirer. J'ai pris pour commencer. J'ai pris pour m'essuyer la couche du petit bébé. Mon Dieu, que ça me donne l'air bête tant que j'ai ta gênée. Mon Dieu, que ça me donne l'air bête tant que j'ai ta gênée. Mon Dieu, que ça me donne l'air bête tant que j'ai ta gênée. Quand on me fêtera, ça se passera plus comme ça. Quand on me fêtera, ça se passera plus comme ça. Je mettrai mon torpedo, puis ferai du ginso. Là, j'arrête pas l'air bête, je m'en vais me gêner. Là, j'arrête pas l'air bête, je m'en vais me gêner. Thank you.
bien cette petite danse. Merveilleux. Je voudrais ici en profiter pour vous présenter les musiciens. Il y a M. Pomerleau, Montcalm. Montcalm Pomerleau, c'est vous. Il joue le violon. Il y a un autre M. Pomerleau ici. Paul-Henri, vous êtes le frère de l'autre. C'est ça? Il y a M. Deblois ici qui joue la guitare. Bonsoir. Très bonne musique que vous faites. Très agréable de vous écouter. Maintenant, nous allons aller ici à la table ronde, si vous voulez. Nous allons rencontrer les notables. On a le maire, puis on a M. le curé, puis on a tout ce monde-là. Bonsoir, M. le curé. Bonsoir, M. le curé Eugène Dussault. C'est ça, puis M. le maire Royer. Bonsoir, monsieur. Asseyez-vous donc, monsieur, là, vous n'êtes pas trop essoufflé toujours après cette danse-là? Pas trop? Non. Non, c'est... Calmé, là. C'est pas si pire. Ça a du bon sens. On va saluer Mme la mairesse aussi. Bonsoir, Mme la mairesse. Vous êtes la bienvenue ici, madame. Monsieur le maire, on va vous faire parler de votre municipalité. Vous n'avez pas d'objection à ça? Ça me fait plaisir. Oui? Ça me fait plaisir. Oui. Vous avez fait des travaux assez importants chez vous. Je sais, quand je suis allé là, faire un petit tour dans votre municipalité, c'était un petit peu chambardé dans les rues, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, là? Bon, disons que il y a 2 ans qu'on a bâti Aqueduc Égout, d'abord, Aqueduc, l'égout sanitaire. Oui. Puis cet automne, ben, on a fait les égouts pluviales. Ah, c'est ça. C'est à ce moment-là que je suis allé, moi. C'est ça. Vous êtes chambardé pas mal, oui. Mais là, c'est terminé, tout ça. Tout est terminé, là. C'est parfait. Oui. Ah, oui, il faut y retourner, là. Oui, vous allez venir voir ça, j'espère. Je vous remercie, monsieur le maire. Vous êtes en fonction depuis longtemps, vous, je pense, comme maire. 1959. En 59. Disons que j'ai été 2 ans, là. J'ai eu un repos de 2 ans. Un petit repos de 2 ans. 63, 65. Oui. 65. En 66, vous êtes revenu plus fort en que 65. Jamais. Bon, plus en fort. En 65. J'espère, je pense qu'ils n'en ont pas trouvé d'autres, je suppose. Non, mais seulement les travaux que vous avez réussi à exécuter, là, c'est déjà votre crédit. Là. J'ai eu beaucoup de collaboration d'abord des conseillers. Puis aussi du public aussi, ben qui ont coopéré beaucoup dans ce c'est, ben c'est tout à votre honneur, parce que le maire, sa fonction, c'est de faire collaborer les gens. Ben, si j'avais réussi ça, c'est mais c'est pas une paroisse difficile. Non? C'est pas une municipalité. Combien vous avez de population chez vous? Environ 1300. 1300 de population. Puis vous êtes le chef-lieu de comté, comme je le disais au début. On est le chef-lieu du comté, puis on est fiers. Ben oui, je comprends. Vous avez des projets particuliers, monsieur le maire? Oui, des projets assez... assez pressant, si vous voulez. Mm-hmm. On a des projets d'usine d'épuration pour les égouts sanitaires. Mm-hmm. D'abord, disons qu'on est obligé de les faire d'ici à 12 mois environ. Mm-hmm. On entrevoit de les faire de bonne heure le printemps prochain. Ah oui. Donc, pour assez dispendieux, si ben vous oui. voulez. Ben oui. Je pense que quand tout sera fini, ça sera une petite ville. C'est merveilleux. On vous souhaite que ça se réalise, monsieur le maire. Merci. Je vous remercie encore une fois d'être venu. Monsieur le curé, ça fait longtemps que vous êtes à la tête de votre paroisse. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans. Je suis arrivé le dernier dimanche du mois de février 55. Ah oui. Dites-moi donc, monsieur le curé, Sainte-Énédine, c'est quand même un nom qu'on ne voit pas souvent. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette sainte-là, ou enfin, d'où ça vient, ce nom-là? Je pense même que c'est la seule paroisse qui porte ce nom-là. Ah bon? C'est que la seigneuresse de Sainte-Marie, du seigneur Tachereau, s'appelait Enédine Savoie. Ah bon? Alors elle a laissé son nom. On a voulu honorer probablement Madame Savoie, Madame Tachereau, qui était Enédine Savoie. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment un nom propre. Ça explique le nom, oui. Monsieur le curé, j'aimerais que vous nous disiez un petit mot de la pastorale chez vous. Comment ça s'organise? Quelles sont les organisations paroissiales, tout ça? À Sainte-Énédine, la pastorale va bien, est en bonne santé. Nous avons les comités ordinaires, les comités de pastorale, d'abord. On a aussi un comité de liturgie, mm-hmm. un très bon comité de liturgie, qui m'aide beaucoup. Je suis très heureux de l'avoir. C'est un comité qui est composé surtout de dames, hein, de religieuses. Alors, ce que femme veut, Dieu le veut. Hein. Bien sûr. Alors, curé aussi. Hein. Ouais, curé a plus forte raison. Alors, c'est comme ça. Alors, ça veut dire que la pastorale va très bien. Tant mieux. On a, par exemple, trois très bonnes chorales, avec musiciens, guitaristes, organistes. Et là, les jeunes, je souligne que les jeunes font leur large part dans ces chorales-là. Ça, c'est bien. Les musiciens aussi. On a deux mêmes ici qui sont ici qui nous accompagnent, qui sont nos musiciens ordinaires du dimanche. Ah, tiens, c'est bien ça. Ouais. C'est merveilleux de ça. Les gens de Sainte-Énédine, vous savez, sont, comme M. le maire vient de le dire, sont,
sont fiers de leur paroisse, fiers de leur village, sont fiers de leur église aussi. Oui. Ah oui, justement, au sujet de l'église, j'aurais voulu vous faire dire un petit mot à cet effet-là, parce que j'avais une église qui est un petit peu extraordinaire, belle construction. Dans la région, on peut dire que les églises sont toutes belles, sont de genres différents. Une autre église à Saint-Denis est un genre plus moderne que les voisines. Elle, on dirait peut-être un peu genre chorale, de genre cathédrale, on pourrait dire. Ah oui, mais vous n'avez pas, une petite anecdote concernant votre église? Ben, une anecdote, c'est que, oui, quand on a construit l'église, l'église en 1912, ben, il a fallu déplacer la vieille église en bois. Hein. Mm-hmm. On l'a reculée un petit peu. On a construit la neuve. La neuve n'était pas tout à fait terminée. Vous savez, les curés ont des amis un peu partout. Hein. Ah oui, je comprends. Alors, le curé du temps avait des amis, je pense bien, chez M. Saint-Pierre. Vous savez, près du bon Dieu. Là. Saint-Pierre. Oui, le bon Saint-Pierre en haut, là, oui. Alors, il est un bel après-midi, il faisait très beau. Et puis, subitement, est arrivé un orage, un coup de tonnerre. La vieille église brûle. Alors, M. le curé, au lieu de payer pour la démolir, il aurait reçu 15 000 piastres d'assurance. Il était correct. Il y avait des bonnes connexions, comme on dit. Alors, c'est ce qui a permis à M. le curé du temps d'acheter ou de faire poser de très belles verrières. On les remarque peut-être pas beaucoup, les verrières, etc., mais il est venu il y a quelques années un artiste de Paris, un spécialiste en verrières, pour examiner ces verrières-là. Elles sont très, très belles. Il s'agit de regarder un petit peu, elles sont très belles. Surtout celles des fenêtres, de la fenêtre centrale, du transept. Ben, il va falloir aller voir ça. On est obligé de vous arrêter là-dessus, M. le curé. Je vous remercie mille fois. Vous n'avez pas quelqu'un à suggérer pour la prochaine chanson? À côté de vous, là, il y en a plusieurs, ici, pour regarder. Là. Mais à côté de vous, là... Il y a Sœur Roy, justement. Oui, elle chante, Sœur Roy. Elle chante très bien. Parce qu'on a déjà eu des religieuses ici, à quelques reprises seulement. Mais pour chanter, ce sera la première fois. Vous voulez chanter pour nous, Sœur Roy? On va répondre. Allez-y donc. Marie-Calumet veut se marier. Marie-Calumet veut se marier. Marie-Calumet veut se marier. Marie-Calumet veut se marier. Avec l'engagé de Monsieur le curé. Avec l'engagé de Monsieur le curé. Les noces font au presbytère, sans dessus dessous, sans devant derrière. Nous y serons tous invités, sans devant derrière, sans dessus dessous. Sans devant derrière, sans dessus dessous. Nous avons eu un bon repas, nous avons eu un bon repas. Nous avons eu un bon repas, nous avons eu un bon repas. Munis de bons pâtes et de foie gras, munis de bons pâtes et de foie gras. Munis de bons pâtes et de foie gras, munis de bons pâtes et de foie gras. Des tourtières, sans dessus dessous, sans devant derrière. Il y en avait pour tous les goûts, sans devant derrière, sans dessus dessous. Sans devant derrière, sans dessus dessous. On s'amusa jeunes et vieux, on s'amusa jeunes et vieux. On s'amusa jeunes et vieux, on s'amusa jeunes et vieux. Grâce à Baptiste le violonneux, grâce à Baptiste le violonneux. Grâce à Baptiste le violonneux, grâce à Baptiste le violonneux. Mon Dieu, vous l'avez affaire, sans dessus dessous, sans devant derrière. Il y avait du bon petit caribou, sans devant derrière, sans dessus dessous. Sans devant derrière, sans dessus dessous. Ça va très vous. Je crois que c'est pas un goût. Les voilà, je comme il est grand. Moi, je me préfère un petit moulin sur la rivière. Et puis encore, un petit bateau pour passer l'eau. Et puis encore, un petit bateau pour passer l'eau. Fils de roi sans voix chatte, moi je préfère un petit moulin sur la rivière.
très joli, votre petit bateau pour porter l'eau. Merci sincèrement. Nous allons de ce côté ici, maintenant, rencontrer nos doyens. Il s'agit de M. Dumont. Bonsoir, Monsieur Dumont. Bien, Madame Dumont, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre premier nom, Monsieur Dumont, c'est Émile. Émile. C'est ça, oui. Quel âge avez-vous, Monsieur Dumont? Je suis 84. Vous vous en allez jusqu'à 84? Vous n'êtes pas trop pressé pour le rejoindre, là? Vous glissez tranquillement vers le 84. Oui, à quel mois que vous allez avoir? Mois de juin. 15 mois de juin. Ça va venir trop vite, hein? Oh, ouais. Madame Dumont, est-ce qu'on peut vous demander votre âge? Oui. Oui. 81, fête 18 mars. Ah, mon Dieu, 81 ans, en fait, on vous donne jamais ça. Mon Dieu Seigneur. Puis regardez-moi ça, si elle est bien mise, tout ça, bien peignée. C'est pas vous qui l'avez peignée, toujours? Non? Est-ce que vous avez une grosse famille? Trois enfants. Qu'est-ce que vous avez fait toute votre vie, vous, M. Pomerleau? Cultivateur. Ah oui, ah, bien évidemment, Saint-Énédine, on cultive la terre. Ça fait longtemps que vous êtes retiré? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans? 4 ans. Vous vous ennuyez pas trop? J'aide encore. Ah, vous aidez encore? Oui, on reste avec notre garçon. On a donné notre terre à notre garçon. Oui, oui. Puis on reste avec. Oui, oui, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée, madame? 61 ans, fait au mois d'octobre. Ah, ça fera 62 ans. Ça fera 62 ans à l'automne. Oui. Depuis tout ce temps-là? Que vous êtes avec ce monsieur-là, là? Oui. Oui? Est-ce que vous vous en rappelez toujours la première fois que vous l'avez rencontré? Oui. Oui? C'était où, exactement? Moi, je restais à Sainte-Marie. Sainte-Marie? Lui, à Sainte-Nadine. À Sainte-Marie-de-Beauce, ça? Oui. Mais qu'est-ce qu'il allait faire là, lui, à Sainte-Marie? Ben, il s'est adonné à me rencontrer. Je l'ai rencontré là. Mais qu'est-ce que vous alliez faire là, à Sainte-Marie? Ah, ben, ça me regarde pas, remarquez bien, mais je le demande pareil. D'abord, je restais avec mon frère, puis mon frère avait une de ses soeurs qui était fille, puis elle venait aider sa soeur. Puis quand tu avais fini l'ouvrage, ben, elle allait la reconduire chez M. Dion, son père. Ah, vous alliez reconduire. Et puis sa mère, se trouvait une des soeurs de la femme de mon frère. Ah, bon. Ah, c'est compliqué, ça. Oui, un peu. Oui. Puis là, à un moment donné, vous l'avez rencontré là, à Sainte-Marie. Oui, elle a reconduit. Oui. Ça se trouvait ma tante qui venait reconduire chez c'est nous, ça. Hein. Oui. Cette tante-là. Ouais. Je l'ai rencontré là. C'est ça. Mais qui c'est qui vous a dit que vous avez invité pour. Oui. Vous étiez jeune, quel âge que vous aviez à ce moment-là? J'avais 13-14 ans. Oh, il vous a-t-il demandé tout de suite pour sortir? Oh, non. Non? Je l'ai trouvé à pied, un peu. Ah, ouais? Il y a un petit peu d'onguin, il y a des bonnes onguins, ça. Oui. Ah, vous l'avez trouvé petite, mais c'est combien de temps que ça vous a pris, là, pour le moment donné, de l'inviter à sortir avec vous, là? J'avais 20 ans. Oh, j'avais pas 20 ans, quand je me suis mariée. Elle avait rien, 19 ans. Rien que 19 ans. Vous vieillissez là pas trop, là, vous, là? Elle est bien plus jeune que vous. Oui, puis, écoutez, quand vous l'avez invité comme ça à sortir, vous êtes allé où, la première fois? Ah, je suis allé à Sainte-Marie. La rencontrer. J'ai essayé de la voir là. Oui, en allant conduire la soeur de ma belle-sœur. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est quand elle avait 13 ans. Mais je veux dire, que quand vous avez commencé à sortir avec, là, quand elle était plus vieille un peu, là. Quand j'étais prêt à me marier, ben, je n'ai pas pensé de retourner la voir. Bon, vous êtes allé la voir chez elle. J'avais encore des idées. Oui, oui. Puis vous y avez dit ça de même, tout bonnement, là. Elle n'a pas été trop. Oui, elle puis ça fait pas. On restera chez nous. Ouais. Ça fait un an que ça fait. Ouais. Merci beaucoup, M. Dumont. Ça a été très agréable de causer avec vous, Mme Dumont. On vous remercie sincèrement. Il y a une Mme Brochu, Mme Mathias Brochu. C'est vous, ça, Mme Brochu? Bonsoir, Mme Brochu. Bonsoir. Est-ce que vous auriez pas pour nous une chanson quelconque? Certainement. Je vais vous chanter « Dedans Paris, y a-t-il une brune? » Je ne sais pas si vous la connaissez, mais on va dire la Dedans Paris, y a-t-il une brune qui est plus belle que le jour? Mais elle avait une servante qui aurait voulu être aussi belle que sa maîtresse. Mais elle n'a pu. Elle s'en va chez l'apothicaire. Combien vendez-vous votre corps? Elle s'en va chez l'apothicaire. Combien vendez-vous votre corps? Nous le vendons par demi-once. C'est un écu. Faisez-moi ça, un demi-once. Voilà l'écu. Quand vous serez pour vous faire des prenez bien garde de vous mirer. Quand vous serez pour vous faire des prenez bien garde de vous mirer. Vous éteindrez
votre chandelle farfouille, farfouillez-vous. Le lendemain, vous serez belle comme le jour. Le lendemain, au petit jour, lavez la vie, c'est vos atours. Le lendemain, au petit jour, lavez la vie, c'est vos atours. Elle a mis son beau jupon vert, son blanc corset, pour aller faire un tour en ville, s'y promener. Le premier qu'elle rencontra, ce fut son gentil cavalier. Où allez-vous, blanche coquette, toute noire, toute barbouillée? Vous avez la figure plus noire que la cheminée. Elle s'en tourne chez l'apothicaire. Monsieur, que m'avez-vous vendu? Elle s'en tourne chez l'apothicaire. Monsieur, que m'avez-vous vendu? Je vous ai vendu blanche coquette, du noir à fumer. Ça appartient pas une servante de se parler. Maintenant, à remettre une photo souvenir à l'organisateur. Monsieur Dubois, la photo souvenir que nous avons préparée pour vous, la photo de votre groupe que vous pourrez mettre à la place d'honneur. Et en même temps, je vous remets ici le disque de Soirée canadienne qui comporte plusieurs des très bonnes chansons qui ont été présentées à Soirée canadienne depuis quelques années. Je vous offre toutes nos félicitations pour cette merveilleuse soirée avec les gens de Sainte-Énédine. Je vous remercie infiniment, Monsieur Bilodeau. Et je vous prie de communiquer tous nos sincères remerciements au poste CHLT que vous représentez si bien Soirée canadienne. Et j'en profite pour donner mes remerciements sincères à tous ceux qui ont collaboré si bien et qui m'ont aidé grandement à préparer cette Soirée canadienne. Ils ont très bien fait les choses, puis ils ont d'ailleurs été très bien dirigés. Je pense que vous avez aidé à l'accompagnement de piano pour les répétitions. Oui. Il y a Mme Pomerleau aussi, puis il y a Sœur Roy. Roy qui... Puis vous avez fait le texte, vous, en plus de ça. J'ai essayé. Vous avez travaillé pas mal. Ça paraît aussi, c'était un beau succès. Et je tiens à vous en remercier encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a des gens qui ont préparé une danse pour terminer tout ça. Approchez-vous donc, s'il vous plaît. Moi, je veux dire bonsoir à tout le monde. Vous invitez à nous revenir samedi soir prochain à la même heure, alors que nous allons présenter à nouveau notre soirée canadienne. Ce soir, nous étions à Sainte-Énédine dans le comté de Dorchester et ça a été très agréable. Bonsoir, bonne semaine à tout le monde et à la prochaine. En avant la musique. Thank you.